Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, voici les titres. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, affirme être prête pour les élections législatives dont le scrutin aura lieu demain, 29 mai. Selon les dires du président de la CENI, tous les membres des bureaux de vote ont déjà été désignés. La CENI sensibilise chaque citoyen sur l'importance de venir voter. Un candidat indépendant de la circonscription de Tuléard 1 a annoncé son désistement des élections législatives hier soir. La décision prise par ce dernier n'a aucune incidence sur la tenue des élections législatives à Tuléard 1, d'après les explications de la Commission électorale nationale indépendante. Le secteur maritime à Madagascar est encore exposé à de nombreux incidents et menaces qui mettent en péril sa bonne gestion, selon le projet Crimario 2. Les migrations clandestines entraînant souvent de nombreuses pertes en vie humaine sont l'un des problèmes les plus souvent rencontrés. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaîtront officiellement mardi l'État de Palestine, malgré la colère d'Israël qui se trouve de plus en plus isolée sur la scène internationale après 7 mois de conflit dans la bande de Gaza. À la une des actualités, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, affirme être prête pour les élections législatives dont le scrutin aura lieu demain 29 mai. Selon les dires du président de la CENI, tous les membres des bureaux de vote ont déjà été désignés. La CENI sensibilise chaque citoyen sur l'importance de venir voter. Ceux qui ont des problèmes concernant leur carte électorale sont priés de s'adresser aux responsables des bureaux de vote. Ces responsables leur donneront des consignes pour qu'ils puissent même voter le jour du scrutin, les descentes sur terrain étant inévitables en matière de suivi du processus électoral. Le gouvernement japonais, dans le cadre des préparatifs des élections, a fait un don de 6 véhicules tout terrain au gouvernement malgache. Reportage de Elisa Herman. Après avoir mené à bien la formation des 120 membres des sections de recensement des matériels de vote et celle des 28 124 membres des bureaux de vote répartis dans toute la grande île, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a annoncé être prête pour le scrutin de ce mercredi 29 mai, d'autant plus que tous les membres des bureaux de vote ont déjà été désignés. La CENI a sensibilisé les citoyens sur l'importance d'aller aux urnes. Les citoyens qui ont des problèmes de carte électorale sont invités à s'adresser aux responsables des bureaux de vote pour qu'ils leur donnent les consignes à suivre pour qu'ils puissent jouir de leur droit de voter. Le gouvernement japonais, par l'intermédiaire du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Madagascar, Takaku Yoshiki, a réaffirmé son engagement à soutenir Madagascar dans ses efforts pour consolider la démocratie et organiser des élections libres et équitables. 6 véhicules tout-terrain ont été octroyés par le gouvernement japonais à l'État malgache dans le cadre de la préparation des élections législatives et communales. Ces 6 véhicules seront répartis au niveau des 6 commissions électorales provinciales, ou CEP, de Madagascar, et utilisés à bon escient pour l'acheminement des plis électoraux, contribuant ainsi à assurer une couverture équitable pour les prochaines élections à venir. La remise officielle de ces matériels s'est tenue ce jour. Les députés étant les porte-parole du peuple à l'Assemblée nationale, les citoyens sont encouragés à aller exercer leur droit de vote demain, selon la responsable de cette association de la société civile pour la bonne marche du processus électoral. Il est également nécessaire d'instaurer un climat d'apaisement dans le pays, selon toujours cette responsable de la société civile. Mikare Djemboulaz sur les images de Arfidi Rakoutmanal. Ce groupement de la société civile exhorte tous les citoyens sans exception à participer massivement au scrutin de demain. Il est de la responsabilité de la société civile de renforcer les sensibilisations en ce sens. À l'approche des élections,
Selon cette responsable d'une association de la société civile, la direction de cette société civile a affirmé que les députés porteront la parole du peuple à l'Assemblée nationale et que les citoyens sont encouragés sans exception à remplir leurs devoirs de main. Il est également nécessaire de toujours maintenir la stabilité pour que le processus électoral se déroule sans contrainte, selon le responsable de la société civile, agissant à la base. Toutes les parties prenantes sont invitées à respecter ce calme afin que l'élection se déroule dans le calme. Tous les concernés sont également invités à se concentrer dans leurs responsabilités. Le calme est également nécessaire pendant le décompte des voix pendant la soirée. Les assistants des décomptes devraient respecter le fair play. La société civile est actuellement en train de préparer leurs activités pour la journée de demain. Un candidat indépendant de la circonscription de Tuléar 1 a annoncé son désistement des élections législatives hier soir. La décision prise par ce dernier n'a aucune incidence sur la tenue des élections législatives à Tuléar 1. D'après les explications de la Commission électorale nationale indépendante, sa photo et son nom figureront toujours sur le bulletin unique utilisé durant le jour du scrutin, malgré son désistement. D'autre part, après avoir saisi la Haute Cour constitutionnelle, le candidat de la première liste pourra le retirer définitivement de la deuxième liste après les législatives. Reportage de Zoura Bardon. Ce candidat indépendant de la circonscription de Tuléar 1 avait annoncé son désistement des élections législatives sur les réseaux sociaux à 23 heures. Ce dernier avait toujours été aux côtés du candidat tête de liste durant la période de pré-campagne et pendant la campagne électorale proprement dite. Les Tuléarois l'avaient même encore vu en campagne du candidat tête de liste pendant leur dernier meeting. Quelle ne fut pas le stupeur des Tuléarois lorsqu'ils ont vu, hier soir à 23h, sa déclaration sur les réseaux sociaux. À part cela, ce candidat indépendant de la deuxième liste a expliqué qu'il a fait un mauvais choix en acceptant d'être inscrit en deuxième liste de ce candidat du district de Tuléar. Questionné sur cette situation, la Commission électorale nationale indépendante a expliqué que cette déclaration n'a aucune incidence sur la tenue du scrutin de demain dans la ville de Tuléar et que ce candidat figurera toujours sur le bulletin unique de la liste des candidats indépendants. Il reste toujours un candidat indépendant de deuxième liste malgré sa déclaration et la sensibilisation qu'il a effectuée auprès des électeurs pour qu'ils votent pour d'autres candidats selon la Commission électorale nationale indépendante. Par contre, le candidat tête de liste pourra le retirer définitivement de la deuxième liste après les élections législatives, après avoir suivi toutes les procédures requises par la Haute Cour constitutionnelle, selon une source auprès de la Haute Cour constitutionnelle. La Commission électorale nationale indépendante, à titre de rappel, informe tous les électeurs que tous les bureaux de vote seront ouverts demain à partir de 6h et ne fermeront qu'à 17h. Le décompte des voix ne commencera qu'après que le dernier électeur est voté. Revenons sur un événement qui s'était déroulé à l'ambassade de Chine à Madagascar, dénommé Yaji, où quelques dizaines d'invités malgaches comme chinois ont pris le temps pour déguster du thé, activité culturelle qui a son importance en Chine, comme dans d'autres parties du monde. C'est un reportage de Adrakout et de Claude Radisson. L'Organisation des Nations Unies a fixé une journée internationale du thé. Précédemment célébrée le 9 décembre, puis le 15 décembre, cette date est désormais tous les 21 mai. En Chine, c'est la province du Yunnan dans le sud-ouest qui est connue pour son thé avec des dizaines de produits réputés de par le monde. Avec la venue du nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, M. Tipin, cette année, la journée internationale du thé n'est pas passée inaperçue. Des invités triés sur le volet, dont le président du Sénat de Madagascar, ou encore la ministre des Affaires étrangères et ministre de la Communication et de la Culture par intérim, ainsi que d'autres officiels malgaches tout aussi illustres les uns que les autres, ont été invités pour assister à une cérémonie du thé, présentée par une experte diplômée d'État en la matière, venue exprès de Chine pour l'occasion. Car la cérémonie du thé est une affaire très sérieuse en Chine et se doit de respecter un processus immuable pour exalter l'harmonie et la qualité du moment partagé. Les ustensiles utilisés ont leur importance. Une petite théière en terre cuite qui retient la chaleur et se charge des arômes du thé, un pot à thé avec une petite passoire, des petites tasses de dégustation, une bouilloire
et un plateau ajouré avec un réservoir qui accueillera toute la vaisselle et l'eau versée. L'experte, quant à elle, a détaillé l'arôme, le goût et la préparation, ainsi que les vertus de chaque type de thé, vert, jaune, noir, que les invités ont eu tout le loisir de déguster. La cérémonie du thé étant une activité hautement culturelle, la séance a été agrémentée de danses ethniques effectuées par des étudiantes de l'Institut Confucius, mais aussi de musique jouée en habits traditionnels sur des instruments typiquement chinois. Lors de sa prise de parole, l'ambassadeur de Chine n'a pas hésité à parler de coopération et de respect mutuel engagé autour d'une cérémonie du thé. Signe de ce concept de respect mutuel, l'ambassade de Chine n'a pas oublié de donner une vitrine au thé de Madagascar, produit à Saint-Mave, unique plantation de thé du pays. Ainsi, l'assistance a pu également goûter au thé Saint-Bave. Un sourire a parcouru la salle lorsqu'ont été évoqués les bienfaits de l'oisiveté, non pas pour ne rien faire, mais au contraire, l'oisiveté pour avoir le temps de déguster du thé entre amis, entre collègues, bref, entre personnes désireuses de manifester leur compréhension mutuelle. Un aspect par excellence du soft power exercé par l'une des plus grandes puissances de ce monde, la Chine. Ce fut un après-midi nonchalant qui s'étirait en longueur, tellement les invités avaient voulu prendre le temps justement de voler au train-train quotidien ces précieux moments de partage et d'inclusion à la découverte ou redécouverte de la cérémonie du thé. Le secteur maritime à Madagascar est encore exposé à de nombreux incidents et menaces qui mettent en péril sa bonne gestion. Selon le projet CRI Mario 2, les migrations clandestines entraînant souvent de nombreuses pertes en vie humaine sont l'un des problèmes les plus souvent rencontrés. Le renforcement des compétences des acteurs impliqués dans ce domaine doit être une priorité selon les CEFIM ou Centre de Fusion d'Information Maritime. Ainsi, une stratégie qui définira les responsabilités devant être assurées par tous les acteurs, notamment le gouvernement, sera mise en place lors de l'atelier qui a été organisé en ce sens. Sibyl Rangemazava et Fecha Anjiamanazar. L'État priorise la mise en œuvre d'un instrument stratégique et opérationnel de gestion des crises maritimes, étant donné la fréquence des incidents qui surviennent dans l'espace maritime sous juridiction de la République de Madagascar, ainsi que face à l'évolution des menaces dues à la situation géographique et géostratégique de Madagascar. Parmi les problèmes les plus graves figurent les migrations illégales qui occasionnent souvent des pertes en vie humaine, la pêche illégale, le trafic de drogue et le trafic de ressources naturelles qui sont acheminés clandestinement par les criminels par voie maritime. Outre les différents trafics, la pollution de l'environnement fait également partie des plus grandes menaces qui pèsent sur le secteur maritime, comme celle occasionnée par les marées noires pendant lesquelles le pétrole brut lourd se propage rapidement dans la mer, tuant de nombreux animaux marins. Un renforcement de compétences des acteurs du secteur maritime est donc nécessaire pour pouvoir lutter efficacement contre ce genre de catastrophe. Il faut également définir les rôles et responsabilités de chacun, notamment du gouvernement, face à ces différentes menaces d'après le projet CRI Mario 2. Nous allons tout au long de la semaine travailler, encore une fois, je le répète et le mot « ensemble » est important, avec l'Organisation Générale de Madagascar pour pouvoir construire la future équipe de crise qui se joindra au centre de fusion de l'information maritime pour pouvoir justement collecter l'information, analyser et prendre des décisions stratégiques. Ainsi, une stratégie qui définira les responsabilités de tous les acteurs, notamment le gouvernement, sera établi pendant l'atelier qui a été réalisé en vue d'instaurer une bonne gestion des crises maritimes à travers tout Madagascar. 23 départements ministériels et agences nationales intervenant dans l'action en mer y ont participé. Passons maintenant aux actualités internationales. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaîtront officiellement mardi l'État de Palestine, malgré la colère d'Israël qui se trouve de plus en plus isolée sur la scène internationale après 7 mois de conflit dans la bande de Gaza. Les détails sur France 24.
c'est avant tout un symbole envoyé au monde, puisque ces trois pays se veulent leaders d'une forme de reconfiguration diplomatique. Ils souhaitent un effet boule de neige, que d'autres pays les suivent. On l'a vu dans ce sujet, ils sont quelques 146 pays à reconnaître déjà l'État palestinien, mais très peu d'entre eux sont membres de l'Union européenne. Depuis 2012 aussi, l'autorité palestinienne a le statut d'État observateur de l'ONU, mais concrètement, eh bien, la reconnaissance de l'État palestinien de la part de la Norvège, l'Espagne et l'Irlande ne signifierait pas forcément des changements majeurs pour les Palestiniens, en tout cas au vu de leur représentation diplomatique, puisque ces trois pays ont déjà des représentations consulaires auprès des Palestiniens. On évoquait celle de l'Espagne, qui a un consulat basé à Jérusalem. On ne parle pas forcément d'un déplacement à Ramallah, qui est là où siège l'autorité palestinienne. En tout cas, cela se décidera pays par pays. On sait que la Colombie avait déjà annoncé vouloir ouvrir une ambassade à Ramallah, mais les Israéliens, eh bien, ont leur mot à dire d'une certaine façon, puisqu'Israël avait annoncé vouloir couper les liens entre le consulat espagnol à Jérusalem et les Palestiniens en réaction à cette reconnaissance de l'État palestinien. Et puis enfin, pour finir, officiellement, c'est donc la Norvège qui est le premier des trois pays à reconnaître formellement l'État palestinien, puisqu'une note a déjà été remise au premier ministre palestinien Mohamed Mustafa dimanche dernier, tandis que le gouvernement irlandais devrait se réunir dans la journée, et l'Espagne formalisera cette reconnaissance dans un décret qui est aussi attendu au cours de la journée. Ainsi s'achève notre édition en version française. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malgache. À tout de suite.